à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pas le Macréa. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour la revue du fascicule numéro 25. Donc, les petits lots ont l'air super sympas. J'espère que cette revue va vous plaire. Donc, je ne sais pas encore à l'heure où je vous parle si je vais vous faire un petit tutoriel. On verra bien. En attendant, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Donc, pour les petits lots, vous avez un demi-pain de Fimo bleu pacifique numéro 37. Donc, c'est une couleur que je n'ai jamais eue ni dans les fascicules parce qu'elle n'a jamais été dans les fascicules cette couleur-là. Ni en général, donc je suis contente, ça me fait découvrir des nouvelles couleurs. Et on a un petit crayon, enfin un petit tube de coulis rouge. Donc ils appellent ça un crayon de nappage rouge, moi j'appelle ça du coulis tout simplement. Donc je l'ai testé avant de faire la vidéo et il devient très rouge en fait. Là il paraît rose en fait. Bon, à la caméra on dirait qu'il est pêche, mais moi en vrai il paraît rose. Et en fait il est très rouge après séchage. Et je trouve qu'il est plutôt pas mal pour faire les coulis de fraises, etc. Je trouve ça assez sympa. Et c'est un très bon petit cadeau. Donc je trouve ça assez bien. Donc la technique, ça va être sur ça justement. Utiliser les nappages et autres additifs. Donc les paillettes, les microbilles, la chantilly, les copeaux et les crayons de nappage. En tuto, on a le collier de cœur pressé bleu. Donc avec la pâte bleu pacifique, je présume. On a la coupe glacée en porte-clés, plus quelque chose que j'aimerais réaliser, mais je n'ai pas de petite coupe comme ça, mais après on peut fabriquer la coupe nous-mêmes. Les bagues alliance en Fimo, des boîtes de poupées russes, enfin décorées avec des petites poupées russes comme ça. C'est pas quelque chose que je réaliserai, mais c'est joli. Les bracelets en forme de goutte. Très sympa, très vintage. L'enrouleur d'écouteurs cœur tricoté pour éviter d'emmêler ses écouteurs. La sirène envoûtante, elle est très mignonne. Et la créatrice du jour, c'est Fimo Hello, la fée chatouille. Donc elle a un Facebook. Donc c'est Fimo Hello 79500 et elle fait des bijoux avec des breloques et c'est des bijoux un peu géométriques, plastrons, etc. Donc à chaque fois c'est le même style de bijoux, les créatrices je trouve, mais pourquoi pas. Et dans le prochain lot, je ne vous dis pas ce qu'il y aura, mais je vais vous dire les tutos. Donc vous aurez une broche diamant, le bracelet perle plate. Et comme technique, on a utilisé les restes de pâte. Donc plutôt une technique assez intéressante. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée de ne pas vous avoir fait de tuto dans cette vidéo. En attendant, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !